Et y'a tout le monde, c'est Monsieur Asmog et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Tout simplement dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle base claim de la faction Mystique. Tout simplement la Mystique, c'est la faction où je suis, donc qui ont une très bonne faction avec, si vous connaissez peut-être le youtubeur Faraway, qui a, si je me trompe pas, 5 ou 6 000 abonnés. De toute façon je vous mettrai sa chaîne YouTube en description. Voilà, donc on est parti pour la présentation de la base claim. Je vais pas vous montrer les coordonnées parce que ça serait dommage de se la faire piller, mais en tout cas voilà, c'est parti, on y va. Alors hop, slash f home, pardon, c'est parti. Donc bon, j'ai un assez bon stuff, hein. Ça va. Ok, déjà on arrive juste ici. Et hop, voilà. Bon, déco assez bien, mis à part les murs que je trouve pas exceptionnels. Bon, surtout pour la sécurité, quoi. Mais sinon, après, niveau construit, là, c'est vraiment assez beau, aussi sur le sol, avec les petits chisels, si je me trompe pas, c'est ça. Un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. Donc, si on a des coffres et tout, je vais pas vous montrer l'intérieur des coffres pour... voilà quoi, parce que déjà de 1 ça sert à rien et de 2 j'ai pas envie de me... Ce serait dommage de se faire piller, ni les coffres, enfin voilà quoi. Ici on a des petites tables d'enchantement, et tout, voilà, on a pas mal de petits trucs. Enfin voilà, c'est surtout une base utile quoi. En tout cas voilà. Du coup dans cette vidéo, après on va maintenant directement partir en monde minage pour faire, oula, une petite séance de minage. Je pense la séance de minage durera 5-10 minutes. Ok, c'est parti. Donc j'avais un home directement là-bas. Donc c'est parti. Moi je mine avec le marteau FI5, comme ça mine assez rapidement. Donc c'est assez cool. C'est parti, on va... Oh bah je mettais... je crois que c'était par là. Voilà. D'ailleurs, je mine avec un... Enfin, je mine, n'importe quoi. Je rec avec un nouveau logiciel. Enfin, ça va être un logiciel que j'utiliserai que pour Minecraft. C'est tout simplement Overwolf. Parce que j'ai tout simplement un problème, en fait, avec mon logiciel Streamlabs pour les recs Minecraft. C'est vraiment buggé, c'est assez bizarre. Donc, du coup, bah, je rec avec, Overwolf. Rec quelque chose, je sais plus le nom. De toute façon, je vous ferai une vidéo présentation de plusieurs logiciels de rec avec les meilleures options graphiques et tout pour vraiment être au top du top sur les recs et vraiment avoir la meilleure fluidité possible. Donc voilà, c'est parti, on va miner. Je vais mettre un timer sur ma droite. C'est parti. Voilà. Donc on va faire 5-10 minutes. Donc on est en 4000 quelque chose. Je vais vous mettre une petite musique quand même parce que bon, voilà quoi. Thank you.
Ok, du coup, je vais faire une petite ellipse le temps que je mine et puis je vous montrerai un peu mes récoltes que j'ai minées après. Donc voilà, je vais vous faire une petite ellipse. À tout de suite. Et redonne. Donc, du coup, j'ai fini ma petite séance de minage. Ça a duré une quinzaine de minutes, même peut-être une vingtaine. Et donc, du coup, on se retrouve à la base claim. Donc, on y est. Donc, je vais vous montrer du coup directement qu'est-ce que j'ai récolté. Donc, alors, déjà, dans un premier temps, j'ai mis à cuire les autres minerais. Je vais vous montrer. Donc, déjà, j'ai récolté 34 de diamants. Bon, je vais le revendre juste après. J'ai 44 de fragments de rubis, ce qui est bien. Bon, ça nous fait à peu près 4 rubis. Bon, c'est pas mal quoi. Je vais d'ailleurs directement aller hop le changer. Oui, il m'en manque un. Hop, donc j'ai eu donc 4 rubis et 8 fragments, 34 diamants. Après, ici on a donc un steak de fer qui est en train de cuire, 30 et quelques d'or, ouais, 40 d'or presque. Ici c'était 22 de fer et un stack de fer ici. D'ailleurs je récupère juste du charbon à remettre. Hop. Attends, j'en prends un petit peu plus, genre 2 stacks. Tac. Ici c'est bon. Ici je vais remettre un peu et ici aussi. Du coup voilà, j'ai ma petite séance de minage. Bon, elle était franchement. J'ai pas eu énormément de choses, il y a des fois où j'ai eu plus que ça quand même. Mais bon, c'est toujours ça quoi. C'était en même temps, bon, j'ai envie de te dire, 15 minutes de minage c'est vraiment pas beaucoup. On va directement donc je vais vous montrer directement une petite technique pour faire pas mal d'argent. Donc enfin deux techniques déjà dans un peu de temps. Deux techniques pour faire pas mal d'argent. Enfin, une ou deux, on verra. Si vous êtes sage, qu'il y a pas mal de likes sur la vidéo, je vous dévoilerai l'autre technique dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc là, on est sur l'épisode 2 de LaboCraft. Voilà. Donc c'est parti. Je vais vous montrer du coup la première technique. C'est pas une technique cheatée, c'est même légal. Hein. C'est pas glitch du tout. Vous allez savoir faire slash invest. Vous allez dans l'investissement, donc ça va vous téléporter. Pour un investissement tout simplement. Hop, j'arrive ici, une salle en vert et il y a quelques autres personnes. Donc qu'est-ce que c'est que cet endroit en fait? C'est la zone d'investissement. Donc cette zone en fait, elle va tout simplement vous permettre de gagner de l'argent très facilement. En fait vous n'aurez rien à faire. Vous pourrez même partir de votre écran, rester AFK. En fait, c'est même conseillé, puisqu'en fait, vous pouvez voir tout en haut de mon écran, j'ai invest 6 heures, 94 000 pièces. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Donc je vais faire par exemple slash invest, je vais choisir mon investissement, par exemple, un investissement de 30 minutes est gratuit et vous rapportera 3 000 $ ou 3 000 pièces, comme vous voulez. Il y a plusieurs investissements. Moi, je me suis pris celui de 6 heures. Donc, en fait, je vais rester, par exemple, quand je pars ou quoi, et que j'ai eu envie de laisser mon PC allumé ou quoi. Par exemple, souvent, j'envoie des raids qui prennent assez longtemps sur YouTube. Du coup, je laisse mon ordinateur allumé. Et donc, du coup, comme ça, je peux en même temps, par exemple, gagner de l'argent sur le serveur. Et c'est vraiment assez cheaté, franchement. Vous allez vous faire pas mal d'argent. Bon, ça va prendre un peu de temps, c'est sûr que 6 heures, c'est pas en 30 secondes. Mais bon, franchement, si vous prenez un investissement de 72 heures, vous allez ralasse, quoi, j'ai envie de te dire. Bon, du coup, voilà. Pour la deuxième technique, je vais pas vous la donner aujourd'hui parce qu'elle est quand même assez cheatée. C'est quelqu'un de ma faction qui me l'a dit et... Voilà, quoi, j'ai pas trop envie de le dévoiler aux autres factions pour qu'on soit... n'est beaucoup d'argent, mais si je vois que vraiment vous êtes à fond pour des likes, enfin à fond sur les likes, j'en ferai sûrement un troisième épisode où je vous montrerai donc la technique. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Monsieur Smug, tchuss.